Yo! C'est la 50e. Ah, tiens, il y a de l'écho, yo. La 50e, nique ta race. Pas mal, non? T'en fous, toi. Moi, je m'en fous pas. Et salut les gens. Pardon, je me suis un petit peu emballé. Yo, Ewen! Comment ça va, mon poulet? Bonjour Ariel. Ouais, ça va super, merci Ewen. Oui, oui, en tracteur Ariel, oui, en tracteur. Et puis pas que en tracteur, en cheval aussi. Et si même je pouvais monter sur les cochons, eh bien, je monterais sur les cochons, ok. Alors t'arrêtes ça tout de suite. Bon, j'ai avancé encore un petit peu. J'ai encore un petit peu avancé. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, j'ai changé mon tracteur à la fourche là, le rouge là. J'ai dégagé parce qu'il était pas si puissant. Elle est morte derrière, c'est super. j'ai acheté un tracteur moyen, bien plus puissant avec des fourches. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'étais en train surtout de réfléchir à agrandir le silo, le bunker aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais pas. Bon, on va voir ça. Hein. T'as pas le droit, Ariel, de faire ça, d'envoyer des messages hors chat, interdit. Non, mais... Elle est complètement fumée. Bref. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, ah bah tiens, en parlant de cheval. Oui, j'ai acheté une grosse moissonneuse batteuse. Qui est là. Just là. J'ai revendu la petite rouge, la toute première que j'ai eue. J'avais acheté ça, ouais, ça, ok, on est bon. Ouais, faut que j'achète une grosse remorque aussi là pour trembler cette merde. Et ben écoutez, bon, on va remettre là où en étaient les ouvriers. Et ça sera un bon début. Ouais, si j'ai un... Merde, je suis pas de bouton. J'ai un... Oui, mais non, casse-toi le poney là. Allez, hop, merci. J'ai un sous qui est pas... Je sais pas si ça va être très gênant, si ça va être très gênant ou pas. C'est au niveau de la place sur la map. Je m'approche du maximum alors que je trouve que j'ai pas grand chose. Et ça, c'est pas cool. Mais alors, pas cool du tout. C'est bon ou je suis dans le noir là? Il y a un contre-jour avec la porte ouverte. Pardon. C'est fini. Allez, vas-y, décharge-toi. Merci. On se casse. Je comprends pas pourquoi la feuille s'arrête pour faire ça. Et pour faire le front du champ mais pas le début. Ou le début du champ et pas le front. Ça, c'est à vous de voir, c'est vous qui choisissez. C'est cadeau.
Oh merde, je suis trop près ou quoi? Ah non, je suis trop loin. Gamer Chucky. Hi. Thank you, man. Qu'est-ce que cette façon de parler anglais tout pourri? Je suis gêné quand je parle anglais à chaque fois, je sais pas pourquoi. Gamer Chucky 89. En plus, j'y vois rien. On est bien là. Oui, non, tu veux pas y aller? Here we go! One Heavy, c'est pas passé, ouais. J'avoue que j'ai pas l'habitude de la conduire celle-là. Là, bah oui, ça je sais que j'ai pas accès à ce terrain. Merci. Parle de scoop. Ok, ça c'est fait. Des sous, mais faut que je décide quoi acheter avec les sous aussi. Parce que là, j'ai plein de possibilités qui s'offrent à moi. Je pourrais même agrandir les enclos, enfin agrandir les enclos, acheter de nouveaux enclos. Ouais, c'est ça le problème, c'est que je sais pas trop dans quelle direction partir là. Est-ce que j'achète, ouais, je pense qu'une remorque quand même, ça va être indispensable. Je sais que j'avais pensé à d'autres trucs, mais je sais pas ce que c'était. Le bunker et le silo, je crois surtout. Je vais racheter. Faut que je l'aménage mieux la zone. La zone là où j'ai mon enclos à cochon. Avec le hangar là que vous voyez au bout là, je pense que c'est ça la priorité, c'est d'améliorer ça. Je vais agrandir ici, ça sera plus facile. Et après aussi acheter deux autres terrains, là, les deux terrains que j'ai en face de moi là-bas au fond. Ça serait pas mal du tout non plus. Ah ben ça c'est mon petit tracteur là que je viens d'acheter. D'ailleurs c'est tout crade devant moi. Ok, ça je viens juste de le lancer. Ah non! Merde, putain, c'est de l'autre côté qu'il fallait que j'ouvre, je suis con. Bon, ok, donc ça veut dire que je vais pouvoir continuer. Les RTM.
Ouais, parce que le bunker, vous voyez, il est pas très grand, quoi. Je l'ai vite rempli. Et du coup, je me demande si ça serait pas cool d'en coller même un double à côté, là. Ou alors, le même, en petit. Et que sur l'autre terrain, je construise un double bunker pour mettre autre chose. Trop de possibilités, hein, ça m'angoisse. Allez, mon petit. Je me demande, est-ce que j'ai assez reculé le petit tapis, là? Voilà. Putain, il est chiant, celui-là, là, tu peux rien escalader. Tu sais quoi? Tu vas te démerder comme ça. Alors... Ouais, je crois que c'est dans les remorques qu'il faut que j'investisse et dans un camion, quelque chose qui fasse office de camion. Parce que genre même pour le lait là, si j'achète un autre enclos à vaches, 8000 par 8000, ça commence à être long. On verra ça plus tard. Mais très vite aussi. Alors là, on va savoir si je suis calé ou pas. Je dois l'être. Mais si je démarre pas... Putain, je crois que j'ai mal dosé, merde. J'ai mal fait ma dose. Putain, ça va se jouer à rien en plus. Ah si. Il poil. Ouais, non, alors oui, non, ça tourne pas. Alors, on va faire le tour. Donc là, vous devez comprendre pourquoi j'ai changé de tracteur. Donc celui-là, à la base, j'avais un rouge. Le petit rouge, là, avec les fourches devant. Qui avait beaucoup moins de chevaux, bien entendu. Et qui... Et qui arrivait pas, qui arrivait à rien tracter quoi. Vu que là j'ai investi dans du gros matos, j'avais besoin de quelque chose qui puisse tracter du lourd. Faut que je fasse des balles de foin, des balles de paille. C'est à ça que j'avais réfléchi aussi, c'est que je vais arrêter de mettre des balles de paille, des balles de foin. Merde, je viens de lire un message qui m'a perturbé. Elle est con, cette Ariel, mon dieu. Oui, donc du coup, stocker mes balles de paille et de foin dans ce hangar-là, plutôt que de les avoir à côté des enclos. Comme ça, ça va me permettre d'une part de me rendre compte du stock que j'ai. Et ça va me permettre de naviguer avec une seule machine et de pas être tenté d'avoir une machine à chaque enclos, quoi. Genre une paille. Oh, merde, ça passe pas. J'ai chié. Non, effectivement, ça passe pas. Donc t'es complètement coincé en fait. Voilà.
Allez! Après, j'en suis pas le spécialiste pour rien, dis donc. Cette blague, putain. Non, te retourne pas! Juste pousse-toi! Oh putain. Je veux pas te pousser. Ah, là, il y a un poteau, là, ça risque pas de marcher. Oh merde. Oh l'angoisse! Là. Ah ouais, mais non, de toute façon, tu vas rester là maintenant. Hein, voilà. Gentil. Donc, ouais, stocker mes balles ici. Et le matos qui va avec. Je pense que ça sera mieux, ça sera plus judicieux. J'aurai un meilleur contrôle sur la quantité de balles que j'ai. Non, mais il défonce pas tout, c'est bon là. Alors ça c'est stylé. Oui mon gars, tu oui alors si je faut que j'aille, il faut que je fasse courir les chevaux aussi. Du coup merci. Alors bon mais toi t'as déjà servi visiblement. Toi non. Nanana. Eh bien. Donc je vais faire les trucs dans l'ordre. Je pense que ça va être mieux. Si je vais faire les trucs dans l'ordre, je vais acheter une remorque à céréales. Une plus grosse. Je vais j'allais faire le tour avec la moissonneuse mais non. Je vais acheter ça en premier, une remorque pour remplacer celle-ci, pour surtout virer la petite aussi que j'ai là qui me sert plus à rien du tout. Ah, j'ai des palettes d'œufs à installer aussi, je les avais virées, puis en fait je me suis rendu compte que c'était quand même mieux pour que l'enclos en fasse popper plus. Je pense qu'à terme je virerai aussi cette petite moissonneuse. Je vais me concentrer sur la betterave sucrière. Enfin, je crois. Fais voir. Est-ce que la betterave sucrière et la pomme de terre, ça se vend pas lourd non plus quand même. Mais bon, c'est pour nourrir les porcs. Il faut que je fasse du maïs. Donc déjà, ça me fait au moins deux champs à avoir de plus. À avoir en plus. Donc... En 1, la remorque pour arrêter tous ces allers-retours là incessants. Ça y est, on est bon. Merde, vas-y, défonce tout.
Ok, ok. Je sais pas quoi. Bah, s'il remarque, il a 72%, on va aller le vider. Bah, c'est vrai que c'est la 50e vidéo, je vous aurais bien fait un putain de truc où il se passe méga beaucoup de choses, mais eh bien, j'ai pas réussi à atteindre un solde dans mon compte en banque assez important pour faire du gros travaux quoi. Du coup, bon bah il n'y a pas grand chose d'exceptionnel, c'est la 50e, mais elle est un peu comme les autres vidéos. Déjà je bosse pendant que je stream pas, comme ça quand je stream vous avez quand même quelque chose de plus intéressant, parce que putain il y a des vidéos, j'ai déjà dit ça, mais en les regardant il s'est passé rien du tout. Ah oui d'accord, la sensation n'est pas du tout la même. Gêné, non? Et non. Ouais, merde. Je vais nettoyer les enclos. Je crois bien qu'il va falloir que je renourrisse les poules. Consomme la pailleux, mais c'est un truc de ouf. Oups, pardon. Bébé, tête de couille, allez, ah la merde, oh pitié, c'est un truc auquel j'avais pas réfléchi, ce qui pourrait être stylé aussi, c'est que je veux mettre un grand enclos à vaches là en prolongement de celui des cochons, et que je dégage celui que j'ai là-haut.
Non, la nourriture pour cochon, je vais pas me trimballer avec. Qu'est-ce que ça m'apporterait comme avantage de faire ça? Ça m'apporterait que là-haut, je puisse avoir plus de place pour m'occuper des balles, des machins et tout. Ouais. Il y a quelque chose. Idée à creuser. Ok, ça c'est fait. C'est bien ce qui me semblait, que j'étais beaucoup trop près. Non mais c'est une grosse vanne. T'en es où toi, Unity là? Effectivement, il y a le temps. Hein? Pardonnez-moi. Putain, il voit vraiment rien dans cette moissonneuse. Remarque, avec celle-là, on voit encore moins. Ok. Attends, si j'ai bien vu le sol. Valeur de pH moyen. Alors, valeur de pH moyen, ça veut dire qu'il va falloir que je remette. C'est de l'engrais, non, qu'on remet là. Ah non, c'est de la chaux.
Et l'azote, c'est avec le lisier, le fumilet. C'est le pH, c'est avec la chaux. Ok. Eh bien, donc, il va falloir chauler le champ. Monsieur, il y en est où? Ah oui. Oui. Ça passe pas forcément. Ok. Bon, y en a un qui va être déçu, mais je pense que je vais me débarrasser de ce tracteur parce que ce tracteur fout énormément de bruit. On n'entend plus rien. Et mon copain, quand même beau, il va être triste, mais bon, pas le choix. À mon avis. Je pense que ça sera plus judicieux que je le dégage. Alors, attends. Merde, j'ai pas fait le plein l'autre fois. Tête d'œuf. Donc maintenant je vais aller vider le contenu de ces deux remorques. Je vais aller vendre du lait aussi, tiens, parce que je crois que j'en ai là en stock. Ah oui, j'en ai pas qu'un peu. Ça va me faire faire les 5 allers-retours, ça. On peut mettre du lait là-dedans, là. Merde. Allez, la victoire. Pardon. Un jour, j'y serai le meilleur fermier. Et pénépénémé. Tchiritiriré. Je sais pas, on va tester. Il y a l'air d'avoir des citernes, il y a avoir des citernes sur le train. On a vu, oui, on peut vendre du lait. Mais non, mais si je suis con, je vais avoir ma réponse comme ça. Les moulin à grains de Felsburn, c'est pas écrit. Ah ben non, alors du coup, je peux pas. C'est pas gentil. En tout cas, moulin à grains, ça va payer. Eh oui!
Ah ouais, il va y en avoir des allers-retours. Le moulin à grains, c'est à l'opposé de chez de la carte, non? Ah non. Ah si. Ah non, c'est là. Ah ouais, c'est pas la porte à côté non plus, quoi. J'ai envie de boire du coca. Non, pardon, du cola pétillant. J'en ai en plus, non? Mais, je sais que toi tu sais pas, mais je crois que j'en ai. Ce qu'il y a, c'est que ça va me donner envie d'aller après, alors... Et vu là où est ma caméra maintenant, je sais pas si je peux... Si je peux me cacher. Oui. Ça va être con, là, ces allers-retours à la con. Là. Je vais faire des achats. Je vais faire des achats. Je vais aller vendre ce qu'il y a dans la gare là, au moulin de Fiesburgburn là. Attention, le poteau ou la caisse. Allez là, putain. Putain, qu'est-ce qu'il y a à vendre? Apparemment, au moment que je l'ai pas vendu. Qu'est-ce que je voulais faire là? Et avec ça, pas grand-chose, je crois. Pas marqué nettoyer là. Jupiter et où? Allez, allez, race petit panda, tu es au gris, petit panda. Ouais, je sais pas si vous le remarquez, mais j'ai vendu tout mon petit matos qui me servait à rien, là, et qui me servait plus, genre la petite remorque d'eau, un petit Pernao qu'il y avait à côté du mouton. J'ai vendu mon ancien, putain, on voit que dalle.
Un ancien semoir aussi. De la chaux, bien sûr, de la chaux. Et puisque la dernière fois, j'ai rempli de d'engrais. Et du coup, là, vous le voyez, à l'angle du tapis, là, sous le clocher de l'église. Et bien, dessous, là-bas, là, y a, enfin, vous voyez, au loin, là-bas, il y a plein de trucs de caisses que j'ai dû décharger. J'ai fait de la merde. Bon, il faut que j'arrive à me cacher un parfum. Ah, non, j'ai pas dit. Ce que je suis en train de faire. Ouais, voilà. Ça, je peux faire ce que je veux, je peux me mettre tout nu. Non, je déconne. Hein. Je peux me mettre tout nu là. Aucun intérêt. Alors, j'ai vu qu'il en avait oublié le coquin. Attends, dès que les champs sont pas rectangulaires. On aime. Et quoi? J'ai appuyé 14 fois sur le bouton. Vas-y mon gars, fais-toi plaisir. Instant. Vendage. Le train est à présent disponible, c'est pas ça qu'il y a écrit là? Oula là, il est allé trop loin. Allez friend, hein, tu vas arriver à l'autre gare là. L'autre silo ferroviaire, c'est nul. Alors, attention, attention, ralentissage, j'ai ralenti trop tôt, j'ai ralenti beaucoup trop tard, je veux dire. Allez, putain, mais c'est un truc de ouf! Ouais, je fais des allers-retours, je suis content, ça me fait marrer. Commencer le remplissage, mais faut que je l'arrête, non? Ouais. Commencer le remplissage. Envoie le soja Taras. Allez, il y a un peu de soleil, tout à porte, il y a une mouche qui est rentrée, putain. Ça veut dire ça? Let's go.
préférez ça. Alors je vous mets ça. Voilà. Une belle petite vue. Se balader en train, c'est merveilleux. Et voilà, du pognon. Mais oui, pognon, ras la gueule. Qu'est-ce qui t'arrive, mon gars? Bon. D'accord, t'as pas fini, toi? On s'en fout. Eh bé, allez, j'ai l'eau qui est... Ça, ça c'est le soda, ça. Qui c'est que j'ai pris, là? Je sais plus. Jupiter, non? Pas du tout. Wings. Wingess, t'es où? Bon, tu me plais, t'es à 0%. Ok, là... Là, donc maintenant, je vais en marchant ou pas avec le cheval, en allant ou pas avec le cheval, regarder une remorque digne de ce nom. Putain, il y en a une chier. Alors, toi, 15 000. Combien ils en font déjà les miennes? Il était 14 000. Alors 15 000, ça m'intéresse absolument pas. Et 51 000. Déjà, là, on peut causer. 51 000 litres. 32 000. Plus elle est bleue, elle est jolie. 19 000, on s'en fout. J'ai pas de poids lourd pour l'instant. Alors, du coup, il m'en faut une. Alors, toi, non. Et ça, c'est les trucs pour ramasser, ça. Les ramasseuses. Les ramasseurs. Elle fait absolument tout. Elle fait 52 000 litres. Et elle est cheatée parce qu'elle coûte que 65 000. On est d'accord. Et celle-là, 52 000 aussi. 51 000. Ah oui. Ah non, 67. Merde, putain, j'ai pas regardé, on peut tout ramasser avec. Il y a même d'autres trucs. Putain. C'est laquelle, celle-là? Ah non, c'est la même chose. La rouge et verte ou la bleue? La bleue me plaît plus. C'est une Roland en plus, c'est une marque française. C'est une marque française. Capacité. Oh putain. Eh bien, on va aller la chercher comme ça. Je vais aller voir l'autre.
Ouais. Allez, on va aller acheter ça. Tagada, tagada, voilà, ça c'est moi. Tagada, tagada, oui, c'est moi. Et moi, ça arrive. Alors, toi, ça pousse de là. Putain, j'aurais dû faire de la chanson en impro, bordel. Merde, vous faites l'autre là-bas. Il tourne encore là? Ouais. Alors, mon poulet. Tac. Oui, il faut mettre le moteur en route. Comment je m'organise? Comment je m'organise? Toi, j'en vends une, comme toi. Ou je vends les deux. Qu'est-ce que je fais? Bon, ça, je réfléchirai après, parce que... Autant j'aime bien acheter... en simulant, c'est-à-dire en allant au magasin et en choisissant qu'une fois au magasin et pas en achetant avant. Autant pour vendre, je m'en fous. Toc toc, c'est moi. C'est l'heure du shopping. Hop là, hop là, hop là. Ah. Remorque. Stop. Capacité maximum. Qu'est-ce qui t'arrive? Bien entendu. Marque de pneus Michelin. Prendre toutes les options, je m'en fous. Et qui fait quoi? Ding, 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 ding. Ça va aller là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Et bam, mon gars, qu'est-ce qui t'arrive? Allez, 72 000 boules, une remorque. Gigantesque. Ça passe. Ça passe. Et dans ce sens-là, ça passe. Ça passe aussi. Tiens, oula, j'ai failli me suicider. Alors remarque, ça sera bien fait pour ma gueule le jour où ça arrivera. Et qu'à être faire qu'une seule chose à la fois, c'est tout. Je viens de penser à un truc. Vu la hauteur de la remorque. Pas sûr que la petite moissonneuse-batteuse puisse se déverser à l'intérieur. bon, toi, t'es fait, t'es là. Pour l'instant, on va dire que ça ira. Donc je sais, je vais garder une des deux petites, une des deux remorques là.
pas tourner trop vite là. Non. Si je fais ça, vendre, je ne peux pas. Faut que je la répare pour la vendre. Oui. Ok. C'est la petite qui est là-haut que je vais vendre. Celle-là, pour le coup, elle ne sert vraiment à rien. Merde. Et ça vient. Non, ça. Et bien alors, ah. Là, j'ai pas trop la place. Putain. C'est ça, j'ai pas les devs qu'il faut que j'installe. Ah, le reste va retourner dans le silo. Et après, ciao, remorque. Oh putain, il n'y a pas de place dans le silo. Oh non. Fais chier. Vous les voyez, ils sont là, tous les trucs là. Putain. Je vais me concentrer un peu plus. Ce genre de conneries m'arriverait pas. Donc l'orge, mais je vais aller le déposer dans le silo ferroviaire et puis voilà. C'est même pas 36 monsieur. Non, alors par là je peux pas passer. L'autre il est coincé là. Ça m'en a tout l'air, à mon avis, il est coincé là où le démarre le grillage. Ouais. Non? Si? Qu'est-ce que tu sannes, mon frère, là? Ah non, t'es vide? Non. Putain, si. Oh merde. Eh ben. Ça rentabilise pas le temps de jeu, ça.
Alors attends, du coup, là pour le coup, j'ai navigué. Garage, ça suffit largement. Et t'es là. Non? T'es là. Hein? Oui, t'es là. Mais je l'ai encore celle-là? Ah oui, c'est vrai que c'est là où il y a les palettes. Tu dégages. Non, pas toi. Toi. Voilà. Ça, c'est s'appelle de la vente magique. Je ferme la porte, le soleil s'est barré, je me gèle les noix. Comment je fais? Non, alors toi je vais te ramener. Et je vais me déplacer à cheval. Donc ça fera marcher un petit poney. Et oui, il faut rentabiliser les déplacements. Oh, il faut absolument. Bon, là, je fais un déplacement complètement vide, mais. C'est pour la bonne cause à la base. Ouh! Sans faillite ou défense faillite. Allez, hop. Bon, non. J'ai pas coupé le contact, merci. Toi, ça va rentrer à ta place. Non, toi, ça va rester là. Et oui, parce que du coup, j'ai plus d'un toit à côté du champ. Garé ça. Allez hop. Hop hop hop. C'est moi le king de la route. Hop là. À ta place. Même s'il n'y a pas vraiment de place. Mais... ce qui ressemble le plus à ta place. Là. Je veux un poney. Lequel? N'importe lequel. Rogue, Edouard, Schwarzy. Ok. C'est mes Schwarzy. Ça, c'est cool. Un peu d'autoradio de cheval? Allez. Je suis sûr que ça vous manquait à vous aussi. Dingling-ling. Qu'est-ce qui se passe, dingling-ling? Que je veux voilà voilà voilà.
Bah, faut vraiment que je déplace ces deux cabanons. Là. Je pense que je vais faire tout de suite. Quoi, il a fallu vraiment beaucoup de la chevaux, dis donc. Hein. Parce que l'autre fois, ça m'avait fait le truc. Ça m'avait même fait utiliser une remorque entière pour les deux champs. Dire toi parce que tu m'empêches de circuler correctement. Sur les chevaux, il n'y a pas de musique. Ah, d'accord. Ça ne compte pas comme un véhicule, il n'y a pas d'autoradio. J'ai qui, Rambo, là? Eh bien, on va commencer à... ensemencer tout ça. Mais oui, voilà, voilà. Merde, le moteur, allez, il est mort. Putain, il est déjà ruiné, lui. Oh, tu déconnes. On s'est servi tant que ça. Putain, il a tout. Faut que je fasse ce petit champ avec quelque chose qui me fasse des balles de paille. Alors, du blé, orge, avoine. De l'avoine. Eh bien, vas-y, mon gars. Le poney est toujours là, ça c'est bien. Maintenant que j'ai fait ça. J'ai fait ça. Je vais marcher avec le poney et je vais trouver
Et comment installer mes deux cabanons de ce côté-là de la ferme? Là. Cabane de graines à graines, cabane d'engrais. Parce que ça suffit de faire des allers-retours en permanence. Bon, c'est bien joli, mais je peux pas le mettre. Si genre... Une comme ça et l'autre à côté. Moi, je valide. Super, je l'ai mise dans le mauvais sens. C'est super cool. Putain de merde! Le lendemain... Ah. Eh bien, écoute. Voilà, merci. Donc là, je veux acheter une cabane à graines. Dans le bon sens. Voilà, je peux gagner de la place là. Alors attends, parce qu'il faut que ce soit pratique aussi. Je pense que ça sera plus pratique comme ça là. On va tenter comme ça. Essayant d'aligner. Voilà. Ok. Bah, du coup, je vais vendre les deux autres. Donc, 0 jour, non 0 jour, oui, vendre. Dommage, c'était bien, là, c'était bien, bien organisé. C'est juste parce que c'est aligné que je kiffe. Oui, je vends, oui, allez. Et toi aussi. Mais je suis pas d'accord. Donc, toi aussi, 38 jours. Ok. Et bien voilà. Donc c'est ça aussi, je me demande si je le garde ou si je le vends. C'est une bonne question ça. Putain. J'ai oublié de faire un truc qui se coince à chaque fois ici là. J'ai ma remorque de fumier, non? Ah non, même pas là, c'est, là il s'est fait plaisir même sans l'armoire. Ouais, je vais faire ça comme un sauvage.
Ok. Bon, déjà là, j'aurais pas à courir partout pour aller refaire le plein. Ce sera juste là. Eh bien, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Tac, tac, tac. Yalala. J'étais en train d'écouter un truc à la radio, c'est pas mal. C'est pas mal. Canular téléphonique, et la meuf, quand elle comprend que c'est un canular, elle dit: oh, mais non, faut pas faire ça. Hein. Là, c'est pour le style. Alors, on en est où? Ok, très bien. Je suis en train de me bloquer, je suis en train de réfléchir à plein de trucs. Yalala. Hop là. Ok. Ah si, je sais ce que je voulais faire. Bon, une fois naturelle. Ben tiens, les 3% de Turcs qui restent, il est où? Là, c'est juste pour mettre notre tracteur qui ensemence le champ. Mais putain, je suis toujours pas allé le chercher, l'autre. Il est toujours au fond. Marron pour faire la différence, merci. Oh mais dis donc, ça c'est des messages inattendus.
comprends mieux pourquoi il a dit qu'il avait arrêté son travail. Il n'a pas fait la dernière rangée. Allez, on se réouvre. Allez. Je fais quoi samedi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça m'a saoulé, allez, faut réfléchir. Je sais pas pourquoi je sens le plan foireux. T'as acheté deux cabanes ici, c'est pas pour aller chercher là-haut. Là-haut, ils y sont plus. Ça c'est pratique ça. Ça me plaît. Ah ben, l'apéro spécial anniversaire chez moi. Eh ben, ok, j'espère. Le devant d'abord. N'est-il pas? Il fait un bordel ce tracteur. C'est n'importe quoi. Mon petit Commembo, je l'avais acheté pour te faire plaisir. Je crois qu'il va dégager. C'est franchement, il me casse la tête. Ah, comme ça, en parlant comme ça, il me casse la tête. Direct. Merde, le cheval est plein. Hop. Ok, donc c'était sur qui? Merde, lequel je montais tout à l'heure? Wings. Oublie ça. Je me connais, je suis capable d'oublier. Et que je le marque. Bon, réfléchissons. Donc j'ai acheté ma grosse remorque. On est d'accord. Tintin.
Cuvalisier, c'est vrai que j'avais jeté acheter cet ensemble là, ça et ça. Ça coûte la pollution, quoi. Et en plus, ça, s'il faut, ça fait les deux à la fois. Que la petite là, que j'ai, elle est vraiment ridicule, quoi. Les citernes, celle-là, celle que j'ai, là, 8000 litres. Putain! Charge automatique de gêne sur les palettes. Là, mon gars! Pas de la laine, ça c'est du lait. Bon, j'ai pas encore la production pour. Hein. Citerne, j'ai ça après. C'est quoi ça? C'est mélangé ça, d'accord. Ah, celle-là, elle est plus intéressante. 13700 litres. 13700 litres. Eh bien, on va acheter ça. Et je vais virer l'autre. Allez, on est parti. Tagada, 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 da, da, didou, didou, da, didi, da, didou, da. Vous voyez, j'ai des balles de paille dans mon enclos à vache, hein, c'est con, hein. Ok, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, si. Alors, je vais prendre cette remorque de là. Il ne fait que 8000 litres. Putain, je peux pas garder les deux. Elles s'attacheraient pas les deux l'une derrière l'autre là. Voir ton catalogue. C'est celle-là. Putain, j'arrive pas à savoir. Ça accroche derrière ou pas? Oui, je sais comment je peux essayer. T'es là, t'es prête? Bien. Alors putain, la manœuvre en merde. Oh lolo. Comment? Je vais jamais y arriver. En fait, la, celle que je ziote pour le lait, putain, elle fait bien du lait au moins. Elle transporte bien du lait au moins. Oui. Je l'ai pour l'eau là. Alors, avec la remorque comme d'hab qui casse là, comment tu fais ça? C'est curieux de savoir comment on fait pour manœuvrer ces merdes, mais vraiment, ça me ferait réellement plaisir de savoir faire. C'est l'enfer.
Tu sais quoi, je comprendrai jamais, ça me saoule. Du coup, je vais aller juste vendre le lait et aller chercher autre. C'est que quand je finis le stream, le reste de la journée, je touche pas. Si ça me donne, ça doit me donner un petit peu de stress, alors du coup, je vais gratter le nez. C'est ridicule. J'arrive. Voilà. Tac. Donc en route pour la boutique. Je suis jamais passé par là. Si. Si. Oui. Je crois. Non, Ariel, j'ai pas payé encore. Tiens, huche. Il reste encore une demi-heure. Voilà. Non, là. Vendre. Ok, et acheter. Animal. C'est où? Là. Là? Alors, couleur principale. Putain, y a du foie. Celle pour l'eau, elle est bleue, non? Oh, si belle, si blanc. Couleur des jantes. Voilà, bleu, blanc, rouge. Bam. Marque des pneus. Configuration de large. Si c'est la différence, je vais citer deuxième essieu. Ouais, bah écoute. Allez! Embarqué. Et on rentre au bercail. Hey. Pour célébrer ça, on va faire une vente. Voilà, attention, le train passe. Non, le train est passé. Barre-toi, barre-toi. C'est toi. Loulou, 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 loulou.
Ça bloque. Ah, ça bloque encore. Allez! Bim! Thune! Voilà. Déjà, les allers-retours sont plus rentables. Ça me plaît. Merde, j'ai pas regardé où ils en étaient au niveau de lancement, les autres là. Chose qui chante sur l'écran là, quand tu je sais pas regarder quand tu remplis genre la remorque, il y a des choses ou quoi. On va regarder ça. Uch. Commencer le remplissage, mais bien sûr. J'ai un cheval? Non, bien sûr que non, j'ai plus de cheval. Je lui ai fait semer quoi l'autre là-bas là? Ah, j'ai mis de l'avoine partout. Dans l'autre sens. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais économiser pour pouvoir acheter le champ d'à côté là. Le champ numéro 2. Je crois qu'il a 253 000. Hein. Alors viteuf. Avant d'avoir un accident. De 238 000. C'est-à-dire que à l'aise, la prochaine récolte de soja, je l'achète. Ben, je crois.
là, c'est sûr, la prochaine récolte de soja, oui, effectivement. Parce que je pense qu'en plus, là, il me reste encore du lait à vendre. Je vais être multi-riche. Quelle heure il est ? Ah, il reste un quart d'heure. Ça veut dire que, ben voilà, pour la 50e vidéo, j'achète un champ. Parce que ça sera avant la fin de la vidéo. Ça, c'est stylé. Dis-le que c'est stylé. Voilà, c'est stylé. Pardon. Bon, on va les vendre ces 10 000, quand ça sera fait, c'est 10 000 litres, et quand ça sera fait. Comment j'ai calculé pour avoir les 230 et quelques mille. De la laine, il n'y en a pas lourd. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma tête? Voilà, 232 000. J'ai dit combien exactement? 234 000, écoutez. Merde, comment je vais faire pour arriver à 240 du coup? Quel bon con! Mais j'ai dit qu'il y aurait un achat de terrain pour la 50e vidéo, il y en aura un. C'est tout. Je vais me démerder et on va le vendre maintenant. Il me reste 10 minutes. Slalom. Je veux bien aller vendre des œufs par exemple, mais je suis pas sûr qu'il y en ait lourd des œufs.
Oui, c'est une remorque cheatée. Oui, tout à fait. Je cheat la remorque et ça cheat les boîtes 2. Hop là. C'est magique. Allez, là, merci. Ok. Les œufs. Non, c'était là. Les œufs. 2700 à supermarché. Dans 2933 à moulin à grains. Eh ben, le moulin à grains, ils sont en forme aujourd'hui. J'ai aucune idée de ce que ça représente le volume d'œufs que j'ai là. Je sais pas du tout combien je vais toucher. Sélectionner. C'est magique. C'est moi le plus riche. Eh ben voilà. Putain de merde. J'ai chier cette remorque là-haut. Putain, je passe pas. Et alors... Mais elle est pas du tout quoi. Oulala. Oh la la mauvaise manœuvre. Oulala la 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 la. Là. Allez, on ramène ça. Et un champ supplémentaire. Uchuch. Allez, barre-toi. Comme un sauvage, je vais y aller. Pas l'œuf. Uuuuh. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, on va bien derrière, ouais, ça a l'air. Faudrait qu'un jour je vire cette branche aussi de merde. Putain, j'ai pas relancé la... La tonte. Putain alors. Je te laisse là, mon lapin.
parce qu'il va falloir que je range tout ce bordel. Bam! Bam! On va trouver une belle vue parce que après j'arrêterai. C'est un peu loin, non? Oui, ça va faire un peu loin de toute façon. Là. Non, pas toi. Pas toi. Pas toi. Pas toi. Pas toi. Pas toi. Si. Toi. Merde, bien sûr, il était de l'autre côté du champ celui-là. Cours, petit canari, cours. Putain, il y a du soja en plus dessus. C'est beau ça. Bon, et bien les amis. Moi, ça achète ça. 18. Hop. Acheter. Oh. Et oui, alors, qu'est-ce qui vous arrive? Bon. Eh bien, sur ce, la famille, je vous fais des kisses, comme ça, hop. Attends, j'ai oublié de faire la capture d'écran. Qu'est-ce qu'il fout, lui, dans le champ, là? Dégage. Ah, merde, faut attendre qu'il fasse demi-tour. J'ai oublié ma belle capture. Attention. Attention. Je vous fais des bisous. Je compte sur vous pour des pouces en l'air, pour les abonnements, pour tout blabla et tout, tout le putaclic. Voilà, tout ça. Hop, cadeau, c'est pour nous. Allez, ciao.